La balance. Restaurant Bacon Brothers, c'est le restaurant de Seros. Briefing. John Reams. Bien joué avec la bombe au studio. Vous avez sauvé un grand nombre de vies aujourd'hui. Ça ne passera pas inaperçu. J'ai parlé au chef d'une éventuelle promotion pour vous deux. Restez tranquille un moment pendant que j'attends son appel, vous l'avez bien mérité. Au fait, pourriez-vous me rendre un service? Parler avec Lenny Wolf, un agent infiltré. Il est généralement vers le restaurant Chiki. Je fais la voix de fille ou pas? Des bombes? Des... Au studio Primrose? C'est de la folie! J'en ai jamais entendu parler! Ouais, après coup, la direction nous a ordonné de passer la nuit sous silence. Au cas où vous l'auriez pas compris, donc c'est la journaliste qui pose des questions à Rick et donc à moi-même, je pense, à John. Et en fait là, c'est vieux Rick, un peu plus tard, donc elle raconte une histoire. Enfin, c'est nous qui racontons l'histoire, et donc en fait, l'histoire, c'est l'émission, quoi. Ça semblait étrange, mais... C'est parfaitement logique maintenant. Comment ça? Vous verrez. On a passé quelques jours à essayer de comprendre ce qu'il se passait. Mais nos pistes ne menaient nulle part et nous tournions rond. Personne n'avait d'infos concernant la cargaison Stone & Roberts, même l'entreprise elle-même. Et il n'y avait pas de quoi lancer l'enquête complète. Donc on est passé à autre chose. Jusqu'à ce que... 8 septembre 98, 14h43, au restaurant Bacon Brothers. Un vol à main armée au restaurant, en plein jour. Mon dieu, qu'ils sont bêtes. Calme-toi, petit. Ils sont effectivement idiots. Ce qui les rend d'autant plus dangereux. Allons-y. Petit? Mais on a le même âge, Rick. Moi qui voulais manger un bon petit bacon. Ça le restaurant? Putain, qu'est-ce que tu fous, Rocky? T'avais du monde? Je regarde l'intérieur. Ah. Ouais. Y a un visuel, Rick. Je vois un mec au fond, là, dans la pièce. C'est bon, il a posé son Uzi. Vas-y, je le tire au jour. Ok, je vais rentrer. Je trouvais un civil, Rick. Attends, il y a un deuxième civil. Je m'occupe de lui. Pourquoi il y a des civils dans un restaurant, bordel? Putain, baisse-toi, toi. J'ai pas que ça à faire. Accélère, John. Ouais, t'inquiète. C'est bon, j'ai récupéré son petit Uzi, là. Je sais pas si... Oh! John! Putain! J'ai mis les menottes, c'est pas possible! J'ai mis les menottes à lui ou pas? C'était le faux civil. Put your hands up! Police, drop your weapon! Put your hands up! Putain! J'ai voulu te sauver la vie, moi. Mais t'as pas voulu sauver la tienne. Putain, t'énerve pas, Rick. J'ai amené mes crochets. T'es prêt? On the ground now. Hands up. Hands up. Allez, les chiottes elles sont immenses ici. Putain le con, un civil a tué un autre civil. Pff. Je m'y attendais pas à celle-là, Rick. Vas-y, ouvre. On clear. Vas-y.
recharge. Vas-y, je flash la pièce. Quoi, mon dieu? T'as rien à foutre là, toi. Ok, ça a l'air d'être clair à l'extérieur. Vas-y Eric, je te suis. Putain, ils ont ces armes ici, fusil à pompe et tout ce qui va avec. Ouais, je flash. Vas-y, flash Rick. Y'a pas à l'arrêter, mon gars. Hey. Heureusement que tu nous as pas tiré dessus, toi. Il reste les chiottes. Hands up. T'as grossi, Rick. T'es prêt? Ouvre la porte. Autant on a un D moins. Non, D plus. Oh là là. Oh là là, pour la dernière, on a une mauvaise note. Ça fait mal le moins 1000. Hein. Le moins 1000, ouais, il a fait mal. Et il a été trop rapide, le civil. Comme par hasard, c'était retrouvé dans la même pièce. Bouge plus. Lenny, qu'est-ce que tu fais ici? Je survis, ça fait des jours que ces connards me pourchassent. J'ai cru pouvoir me cacher ici parce que je connais le propriétaire, mais... ils m'ont trouvé immédiatement. Attends Rick, tu le connais? On peut dire qu'il m'informe ce qui se passe dans la rue. Je l'ai connu toute ma vie, et bien qu'on ne soit pas dans le même camp, je lui fais confiance, et inversement, c'est tout. Pourquoi ne pas appeler la police? Petit, wesh, je m'entends pas très bien avec la police. Ouais, je comprends parfaitement pourquoi. Ici, la coordination. Veuillez répondre, terminé. Un assaut est en cours à l'hôpital Morgan. Ceci est un appel à toutes les unités. Pchut, terminé. L'hôpital Morgan? C'est pas l'hôpital où ils ont amené Stanis? Tu sais, le gars qui bosse dans le ciné. Merde. Lenny, reste ici, attends les renforts. Ne t'inquiète pas, je le retoucherai en mort. John, allons-y, je le sens mal.